Avantage Canada, Tessa Virtue et Scott Moir ont pris les devants à l'issue du programme court en danse sur glace. Les champions du monde ont devancé de près de 2 points le couple français Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Un handicap insurmontable mais qui va contraindre les Français à élever leur niveau demain lors du programme mi. Martin Fourcade en or dans l'épreuve de Mass Start en biathlon. Victoire au sprint à la photo finish face à l'Allemand Simon Schempt. Martin Fourcade possède désormais 4 médailles d'or olympiques à son palmarès, mieux que Jean-Claude Kly. Interrogé sur le bon résultat, Mathieu Fèvre avait déclaré dimanche « Si vous saviez ce que j'en ai à faire du tir groupé collectif, je suis là pour ma pomme, pour faire ma course ». Des propos qui ont déplu l'encadrement français qui lui a demandé de rentrer en France dès demain. Dommage pour Mathieu Fèvre qui ne verra pas sa petite amie, l'américaine Mikaela Shiffrin, mercredi en descente. Le curleur russe Alexander Kruzelnitsky a officiellement été contrôlé positif, a annoncé le tribunal arbitral du sport. Évoluant sous l'étiquette des athlètes olympiques de Russie en raison de la suspension de son pays pour dopage institutionnalisé, Kruzelnitsky a remporté avec sa femme Anastasia Brizgalova la médaille de bronze du tournoi de curling mixte des Jeux Olympiques.